Et salut tout le monde, c'est Corpio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau let's play sur Moonlighter. Donc c'est un action RPG que j'ai découvert et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Alors juste un petit truc aussi, c'est que mon record, donc GeForce Experience, ne reconnaît pas le jeu. Donc en bas à droite vous voyez mon record parce que je dois recorder le bureau et pas le jeu en lui-même. Voilà, c'est juste le petit détail, donc je suis désolé pour ça. Donc pour ce let's play en fait, vu que là j'ai un peu de temps libre, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Par contre au niveau des let's play je les termine rarement, mais je pense que celui-ci je vais le terminer. Je vais faire de mon mieux, pareil Jump Force je vais essayer de le terminer rapidement et voilà. Donc je me suis pas spoil du tout, je ne connais rien de ce jeu. Et on va essayer de découvrir ça ensemble et j'espère que ce sera une bonne expérience. Et après ce premier épisode, j'essaierai peut-être d'en apprendre un peu plus pour que mon gameplay soit le plus complet possible. Voilà. Bah écoutez, j'ai config mes touches, je pense qu'on est prêt pour une nouvelle partie. Aussi, si j'aime bien le jeu, je pense que j'achèterai le DLC pour le faire avec vous. Alors, on a le droit à 5 parties. Hop, un emplacement, nouvelle partie, difficulté. On va faire conseiller, je pense. Bah, difficile plutôt, normal, ce serait peut-être un peu trop simple. Surtout que je connais pas la difficulté du jeu. Hop, donc pareil, ce sera à peu près entre 25 et 30 minutes. Et le nombre d'épisodes dépendra de comment le jeu est long. Ah, je peux peut-être lire à la rigueur. Bon, je vais vous laisser regarder plutôt. J'en ai eu des frissons. En plus, c'est le type de scénario vraiment incroyable où aventurier marchand, c'est dans les animés, on trouve souvent ce genre de choses. Un isekai quoi, donc c'est vraiment sympa à faire. On va voir ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est nous. Dans un donjon, en train de chercher. Alors on peut se déplacer, tac. Alors on a notre vie en haut à gauche avec notre or, je suppose. Tac, ça c'est le sac. Ça c'est les roulades. Ok, on va voir. Je regarde si j'oublie rien. Non, c'est pas bon. Oula. Ok. Ok, c'est fait. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir rien là-dedans. Alors là, faut le taper, non? Roulade? Ok, fallait pas roulade. Ah, je suis déjà mort. Oh, non, mais attends, mais... Je suis bête ou quoi? Non. Mais... Je peux pas sortir mon arme. Mais je comprends pas. Faut que j'esquive au bon moment. Ok, 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 ok. C'est bon les gars, c'est passé. Ok, oh là. Attends, ça aussi. Ok. Je comprends pas trop comment ça marche, mais... Ok. Bah plutôt la frame, j'ai un peu de mal. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Attends, mais je passe le balai. Ah, ok. Carrément. Voilà. Ok. Ok, ça se ramasse, c'est loot. Bon, en tout cas, ça on sait jamais, hein. Petite popo. Hop. Tac, tac, tac. LT. Ok, donc là on a pris la touche. On donne un coup de balai.
ou une attaque chargée qui nous fait avancer. Hop. Bah plutôt qu'un balai, on dirait plutôt une lance. Ah, j'utilise un item. Ok, LT. Tac, ça c'est bon. Un coffre. On va pas l'ouvrir. Le mec doit avoir la clé. Hit and run. Aïe. Ok, attends. Faut que je reste appuyé. J'ai l'impression que... Ok. Je peux pas me déplacer. Voilà, si par exemple là j'appuie B et je me déplace, ça marche pas. Donc faut que je reste chargé. Tac, tac, tac. Ok, donc... La clé c'était de le battre. Hop, c'est tout loot. On va prendre. Tac, tac. Ok. Donc, ça c'est mon loot. Ça c'est le loot du coffre. Épée brisée. Tac. Et on prend tout. Je pense qu'il y a peut-être une touche pour tout prendre, à mon avis. Tac, tac, tac. Tout déplacer rapidement. LV. Ok. Tout déplacer rapidement. Fermer. Déplacer rapidement. Trier. Tac. On prend celui-là aussi. Hop. LV. Non. J'ai appris un nouveau truc. Voilà. Fermé. Attendez. On va regarder s'il y a... Ok, j'ai pas de deuxième arme. Je peux pas accéder à mon sac. Ok, aussi. Ouf. Attends, lui, je crois que... Attends, faut pas qu'il esquive, lui. Holy shit. Attendez, mais je peux le taper ou pas? Oh, comment je suis éclaté, c'est grave. Ok, je peux taper. On a quelques copeaux. Copeaux, pardon. Aïe aïe aïe. Ah, oh, c'est dur ce que je fais. Attendez, il y a un truc que je dois péter ou quoi? Mais je me fais péter la gueule. Arrêtez. Non mais... Attendez. Alors... Ok, donc je suis mort. Et je suis sorti du donjon. Est-ce que c'était pas fait exprès? Sincèrement. Sincèrement les gars. Il y avait beaucoup trop d'ennemis pour que je puisse... Non. J'ai un peu troll mais à mon avis c'était fait exprès. Ok, il vient nous chercher. Ok, juste un truc. Dites-le moi si vous préférez que je lise les... Comment on peut appeler ça? Bah les discussions, les paroles ou les textes. Ou si vous préférez les lire vous-même et je les passe à peu près à vitesse de lecture. Voilà. Parce que ça dépend aussi des personnes. Certains ont une bonne voix pour lire les dialogues et d'autres non. Moi, je sais pas. Je sais pas où je peux me situer. Bon, à mon avis, c'était fait exprès. Mais... Bon, on sait jamais. On aurait dit un trap de donjon dans un animé, encore une fois. Ça me fait penser à l'animé que j'ai vu. Bah, les scans que j'ai lu récemment de Solo Leveling, que je vous conseille, est très intéressant. Ok, je pense que c'était exprès. Moonlighter, c'est le magasin, comme on a vu tout à l'heure. Il a tellement raison, tu vas pas te battre dans un donjon avec un balai, c'est complètement idiot. Oh, quel plaisir! Ah, il nous met bien. Le jeu a l'air vraiment intéressant, c'est cool. Après, le seul reproche, mais bon, je pense qu'il est carrément fait exprès, même. C'est peut-être une personnalisation de son personnage. Bah, on a tous la même tête, quoi, mais je pense que c'est totalement normal.
Ok, voilà, pour ça c'est le marché, ça c'est l'offre et la demande. Ok. Ok. Ouvrir le magasin, maintenir pour ouvrir. Salut toi. Achète, 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 achète! Yes, I! Voyons voir. Non, ok, c'est un peu trop cher. Elle n'est pas sûre de prendre le champ de montre. Ok. Mais attendez, mais c'est incroyable. Enfin, c'est... Attendez, mais... C'est incroyable... Comment ça fonctionne, c'est... Ok, donc là, c'est ce qu'on a ouvert par mégarde tout à l'heure. RT, tac, tac, tac. 100. Ok, donc là, vous voyez au milieu de l'écran, ça nous dit qu'à 100, il est content. Donc, par contre, c'est pas le prix d'or. À mon avis, le prix d'or, vu à 100, ça doit être bon. 80, je pense, c'est ok. Pas content, ça doit être 150. Et vraiment pas content, ça doit être 170. Ok. Y. On dirait que le soleil a terminé sa journée. Va te coucher, non? Ok, bah parfait, il y a tout ce que j'aime. Juste un truc, est-ce que la sauvegarde est automatique ou pas? Ça c'est un point que j'aime bien savoir au début. Ok, tac. Je check un peu vite fait ce que j'ai. Bah l'élan, CP cours d'entraînement. Ça c'est quoi? Racine, lierre. Je fais les ruches. Est-ce que ce serait pas... Ok. Il m'a dit d'aller au donjon. Ok. Ça doit être par là. Donjon. Ok, let's go. Ok. Je me protège. Est-ce que je peux faire les deux? Non, ça va pas l'air. Ok, ok, ok. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Let's go. Ça fait... Attendez, comment ça s'appelle le... Oh non, le... L'animé, ça me fait penser à ça. Oh non, oh j'ai oublié. Oh l'imbécile. En plus, oh je l'adore en plus. Oh non. It is bad to pick up, to save a girl in a dungeon ou a man. C'est, ça me fait penser à la petite fille qui l'accompagne, le gars avec son sac. Tac, on va changer d'arme. Si je trouve la touche, L2. Ok. Alors, par contre, il m'a dit d'utiliser l'artefact. Ok, c'est A. Donc, on va monter vers le haut. Ok, on est enfermé. Alors, l'attaque est plus lente que le balai, j'ai l'impression. Non, ok, je dis de la merde. Il tape plus, en tout cas. Ok. Continue d'avancer. Juste, fou. Ouais, que je retienne bien les touches. Voir si je bloque c'est combien de dégâts. Ok, je prends des dégâts quand même. Je pense que ça doit dépendre de la force de l'ennemi. Ok, est-ce que ça je peux le détruire? Ok, carrément même. C'est ce qu'il faut. Alors gauche, droite, ou tout droit. Gauche. Oh, carrément pas même. Okay, ça nous fait du loot. J'ai pas de popo, ça c'est dommage. Après, il nous a bien rappelé, et je pense que c'est important de pas griller trop.
Donc, quand on a ramassé toutes les petites pièces, on peut utiliser la relique pour partir. C'est ça ou quoi? Attendez, ah oui, il faut que je fasse le saut. Non, mais. Je sais pas si c'est ça. Donc là, c'est fermé, donc je suis obligé d'utiliser la relique à mon avis. Bon, c'est carrément même fait exprès. Hop. Ok, j'ai juste. Ok, ça m'utilise mes pièces. Ça récapitule ce que j'ai loot aussi. Ok. Voilà, donc premier épisode, vraiment on apprend le jeu. Tac. Ok. Papy veut me parler. C'est tout le temps comme ça. C'est SAO, solo leveling. Les gens ils veulent trop aller là dans des donjons, soit au-dessus d'eux ou avec un truc caché, ils sont. Et ils meurent à la fin. Bon, je sais pas si vous rappelez. Bah, je sais pas si vous voyez quel épisode je parle dans SAO. C'est dans la saison 1. Oula, excusez-moi, j'ai vraiment pas suivi ce qu'il a dit. Ok, on doit leur parler. Ouais, c'était de la meuf en moi. Par contre, est-ce qu'on a une armure? J'ai à mon avis non. Ah si, on a carrément une armure, j'étais de la merde. Ok, carrément, tac tac tac. Alors. Ok, on peut acheter des nouvelles personnes. Attendez, donc, les médaillons, si j'ai bien compris, on utilise de l'or pour se téléporter. Mais... on a aussi besoin de l'or pour acheter de nouvelles personnes. Ok. Ok. Il y a rien d'autre à dire. Hop. On va aller. Est-ce qu'on peut vendre ce que j'ai? Ça, je peux pas le modifier de prix. C'est carrément même. Tac. Ok. Voilà, ça par contre, ça. Dents de pierre. Si un cristaux comme ça, ça vaut 100. Je le mettrais bien à 15. Bon, allez, 20. On va mettre un peu plus haut que je le pense pour voir. Par contre, non. C'est une par une? Je pense que je peux tout mettre, non? RB. Ok. x10, 220, l'unité, ça me paraît. Pff. Bah, oh là là, j'ai du mal à placer les prix. Barre de fer. Plutôt 10. Temps de pierre, barre de fer. Non, barre de fer, ça m'a l'air plus cher quand même. Écoute, on va la mettre à 30. Ça se trouve, je me fais insulter actuellement parce que c'est vraiment pas les prix. Et ça m'étonnerait pas même. Carrément, meul. En plus, juste avant, j'ai vu un petit un topic, si on peut appeler ça comme ça, qui disait, ouais, les prix optimales sont ceci, cela. Mais je pense que je le regarderai pas. Comme ça, ça vraiment, je ferai tout seul. Ça vient d'un boss, il me semble. D'un mini-boss. On va la mettre à 15. Hop. Et on va le placer rapidement là-dedans. Et ça, ça doit être 5 ou 2 l'unité à mon avis. Ouais, ok. Voilà.
C'est bon. Tac. Est-ce qu'on peut dormir pour passer la nuit? Maintenir pour dormir. Ok, carrément même. Lire. Ok. Ça, c'est pour notre avancée. Ça, c'est le coffre. Ok, on va placer le reste. Tac. Mince. Voilà. Okay. Juste toujours la sauvegarde. Je ne sais pas si c'est automatique ou pas. Imaginez, là, je perds tout ce que j'ai. Non, en vrai, je pense que c'est automatique. Bon, je verrai tout à l'heure. Est-ce que faut que je reste ici pour que ça vende ou pas? Bah, de toute façon, c'est la nuit, je suis con. quitter. Les gens vont pas venir la nuit. Ok, on va retourner dans le donjon. Ouais, je pensais aussi. Il y a aussi de ça que les gens ne viennent pas la nuit. Ok, je peux faire les. Je peux spam. Ah, je peux spam Broadlad, il n'y a pas de cooldown. Ok. Ça doit être les autres donjons, non? Donjon du désert, ouais. Ok, donc je peux spam les roulades. J'avais pas capté tout à l'heure. Ok, donc tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, on est allé en haut. Je dis peut-être de la merde. Ok, j'ai droit à 3 coups. Tac. Est-ce que j'ai droit de prendre des potions que j'ai drop avant? Ok, le temps de pire c'est sur ça. Faudrait que j'arrive à reconnaître les loots. Alors là-haut ça va se casser à mon avis. Hop, ouais. Oh, je suis carrément dedans. Ok, tac. Ok, donc je loot plutôt facilement. Donc à mon avis, j'ai mis un peu trop cher. Donc là je glisse. Ok. Ok. Ouais, j'en drop carrément beaucoup. Donc je pense que le prix est moins. Loot. Et merde. Oh, je suis trop con, mais. Oh là là. Non, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon loot. Alors, à mon avis. Tac, 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 je réfléchis. Bon, on va continuer un peu, mais si je vois que je suis en difficulté, je pars. Ah mais il me reste qu'un hit. Ok. Je crois que j'ai fini cette zone. Ok, on va rentrer. Sauf que je peux pas. Ok, je peux pas, allez, je ferme ma gueule. Pourquoi je peux pas? Ça m'étonne un peu. Bon. Est-ce que je peux sortir du donjon par l'entrée? Ah, il y a une carte en bas à gauche, j'avais pas capté. Oh mince. Bon, allez. Ok, le dernier coup. Holy shit. Ah! J'ai 4 HP. Je pense. Je sais pas si. Okay. Je sais pas si ça m'a sauvé. La bloc. Le fait de bloquer. Et si je meurs. Est-ce que je perds tout le loot? Parce que là, je peux pas rentrer. Je fasse. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre que je puisse pas. Je peux carrément pas sortir. Hein. Je peux vraiment pas sortir et je peux pas activer mon truc. Mon avis. Le meilleur move que j'aurais dû faire, c'était dormir tout à l'heure pour vendre et obtenir plus de gold. Donc là, je suis bloqué. Je sais pas comment je vais faire. Ah non! Ok, j'ai perdu tout mon loot. Ah! Ok, c'est pas grave. Je vais aller le récupérer. En vrai, c'était sûr que j'aurais dû dormir, mais j'ai sous-estimé le truc. Aïe, je suis mort. Ok. Je suis désolé.
Donc j'ai perdu, au moins je sais maintenant que je perds tout le loot qui est dans mon sac, mais pas sur moi. Ok, donc on va voir vendre. Non, c'est pas ça. Ok, on met tout là-dedans. Alors, on va attendre. Je vais attendre quelques instants pour voir s'il faut. Je sais pas trop comment ça marche tout à l'heure, ce qu'il nous a rien dit, sont rentrés naturellement les personnes. C'est vrai que si j'ouvre la porte pour que les gens viennent, c'est beaucoup plus simple, les Corpio. Ok, alors dis-moi tout. Holy shit, je suis désolé les gars. Je suis pas un hacker, je vous promets. Il a fait une sale tête, ça doit être à 5. Et donc si ça, c'est à 5, ça doit être à 10. Ok, donc j'ai carrément abusé, j'en étais sûr. Apparemment, le loot, même si c'est sur des monstres, ça me paraît 10. Ok. Oh, carrément! Donc c'est un peu plus haut. Attendez, j'attends qu'il l'achète. Ok, voilà. Ok, là, il a bien aimé. 50. Est-ce que ça te va? Ok, ça te paraît bien. Ok, bah, je vends. Milo! Merci, les gars. Ok, alors. J'ai plus rien dans mon sac. Tac. On va prendre. Là-dedans. On va tout prendre. Mince. On va vendre les cristaux. Et ça aussi, puisque la gelée c'est le truc le plus simple à avoir. Ok, ça te dit ou pas? Ok, carrément, donc c'est plus cher. 15, ça doit être à 30, on va essayer. Tant de pierres, mince. Ah! Non, je vais pas la vendre à 5, je vais la vendre à 10. Voilà. Ça m'a l'air assez rare que le 15, on va la mettre. Tac. Oh, j'ai galère. Passer rapidement. Tac. L'IR. L'IR, ça doit être pas terrible, donc je vais la mettre à 5. Ok. Place tout. Tac. Je l'ai. Si j'ai mis l'autre à 5, je dois être à 7, à peu près. Non, je. Ça doit être 5 aussi, je pense, carrément. Hop. On va check ce qu'ils nous disent. Vas-y, prends. Alors, le lierre, à 10. Ok, c'est trop cher. Elle le prend quand même. Ok, 30, ça me paraît bien, le prix était bon. Ok, ça c'est plus cher. Ok. Tac. J'ai 500, je vais pouvoir acheter ce que je voulais. Ok, je pense qu'il y a session farming, session vente. Ok, donc je peux carrément prendre les potions. Et à mon avis, je peux peut-être en fabriquer plus tard. Avec le drop que j'ai eu. Et ça, c'était bon ou pas? Non, c'était pas bon. Tac, meule. 10, c'était pas bon, ok. Mince, j'ai oublié de tout placer à chaque fois. Pareil, on va tester, on va tout mettre à 10, je pense, les petits trucs. Les racines, ça doit être 5. Barre de fer, j'avais mis à combien? Ok. Ok. Après cette session, je m'en vais. C'est trop cher. Si je mets à 7. Aussi. Okay. Ok. Je sais pas si le prix d'or c'est le mieux que le prix normal parce que je le vends moins cher mais. Mm.
Ouais, je pense. Ouais. On va rester aux alentours du prix d'or, je pense. Ok, nous on s'en va. Ok, donc j'ai vendu tout ça. Total 660. Hop, on quitte. On va acheter ce qu'il nous faut. Magasin. Non, on va d'abord prendre la ville. Non, je peux t'aider avec ces problèmes de marteau et cette d'argent une fois, je peux pas sous-estimer pour trouver des potions, des enchantements et divers herbiers. Je vais plutôt prendre la potion pour le moment, carrément même. Ok. Hop, il va construire la petite maison de la sorcière. Voilà. Écoutez, on a 30 minutes de vidéo à peu près, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'était hyper intéressant, vraiment, j'aime beaucoup le jeu. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut en fait. Tu drop des équipements, il n'y a pas de level, bon, c'est pas très grave. Il y a de l'aventure, il y a de la réflexion. C'est un jeu compliqué et en plus, il n'est pas très cher, donc je vous conseille vivement. Voilà, donc je pense qu'on va faire 2 à 3 vidéos par jour. Ouais, je suis déterminé parce que je pense que je vais y jouer vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup et donc voilà. Je vais continuer à faire des vidéos dessus, mais j'espère malgré tout que ça vous plaira. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker et à regarder mes autres vidéos. Et à bientôt!